Salut, station fréquence, les mains sur 13, c'est côté à vous tous de la part de Dundee 33. Alors c'est parti pour le QSO national du canal 27 et on est le samedi 10 décembre 2016. On dirait qu'il y a un petit peu de propag parce que j'entends déjà des appels ou un QSO là dans le lointain. Hop là, j'ai pas eu le temps de clarifier, les mains sur 13-51 à la station. Ok Luc, ben ça fait un moment qu'on t'avait pas entendu, comment vas-tu? Ça va, ça va, mais depuis chez moi tu risques pas parce que j'ai tout démonté, parce que le propriétaire il est en train de me refaire la toiture du garage, donc c'est pour ça que j'ai tout démonté. Ah bah oui, forcément. Ah oui, eh oui, bah oui. Bon, t'auras une maison neuve après, et tu pourras refaire une installation correcte. Enfin, j'ai pas dit qu'elle était pas correcte, hein, déjà ton installation. Mais tu pourras refaire une installation sur quelque chose de plus solide, de neuf, quoi. Oui, affirmatif. Donc c'est pour ça que je viens travailler ici, quand je travaille au week-end. Donc j'en profite pour amener le matériel. Ok, d'accord. Ouais, ben oui, voilà, c'est la question que j'ai te poser. Là, comme c'est là, tu dois être sur Bordeaux, là. Oui, affirmatif, je suis sur les quais de Brangin, à côté du pont Chaban-Delmas. Si, si, oui, ok, j'ai bien compris. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, pour que j'arrive à t'entendre, c'est que forcément, tu es de ce côté-là, quoi. Ok, affirmatif, pour ça, voilà. Mais écoute, moi, je suis en Champagne, donc je ne sais pas s'il y a du monde, on va laisser un blanc. Ok, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27 en avant. Et 73-51 Eric, il y a déjà Luc là qui est en place. Comment vas-tu Eric? Ce soir. Eh bien, j'ai la même chose ici au QRA. J'ai eu la même chose tout au long de la route aussi, là, en débauchant. Ouais, t'as pas été embêté au niveau du pont d'Aquitaine? Alors, j'ai eu les échos de la voix des ondes. Et paraît-il que cet après-midi, ils ont même dû fermer le pont d'Aquitaine, car il y a eu deux cartons. Un premier, une voiture, une moto. Et un deuxième, il y aurait une voiture qui serait même pris pour un avion, quoi, et qui aurait atterri sur le toit d'une autre voiture. C'est bien les infos que tu as aussi. Mais oui, j'ai appris ça moi aussi. Ah putain, mais il y en a, ils roulent pas en flemme. Hein. Heureusement que c'est limité à 70, hein, parce que pour apprendre à voler comme ça une voiture, il faut forcément qu'il y ait de la pêche derrière. Hein. Oui, retour de micro sur le Luc. Bon, ok, d'accord, c'est moi le plus loin qui vais faire le QSP. Eric, tu as le 113-51 de Luc qui est sur le quai de Brazza à Bordeaux. Ok, Luc, ok, tout le prêt, Luc. Voilà, il y a quelque chose qui est parti en sucette là. Mais il est où le Luc? Ah oui, il a le tonne. Ok, enregistrez le break. Eric, il y a eu un break. Bon Eric, Luc est sur les quais de Brazza, mais bon apparemment tu n'entends pas, il est assez décalé en fréquence. Il doit être en train de courir après son cheval, à chi-trois coups. Les 73, le coyote, bip bip. Hello, good morning, c'est Gwendo. Luc il est avec le joli jambeur, hein. Non mais je suis tout seul à l'entendre. Mais pourquoi il parle là?
Ok, vas-y Luc Luc, il est décalé en fréquence, hein, il faut peut-être le chercher un peu plus haut. Hein. Vas-y Luc Luc, reprends le micro. Le 27275.40, voilà où il est. Hein. Ah ben je crois que ça serait, ouais, ça serait pas mal. Essaie de te caler sur sur moi là. Déjà ça sera un bon début. Après ils verront, on verra avec Eric, avec Thierry là, un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là tu es au pro, tu es quai de Brazza. Tu dois être installé, j'y mets en filaire, je crois, ou sur l'antenne mobile. Bon là je crois que j'ai assez parlé, ça doit être bon là. Retour Luc Luc. Ok, Luc Luc, tu es sur le 27275.30. Il faudrait que tu descendes encore un peu. Allez, vas-y, descends. Voilà, descends encore. Laisse le clarifier au centre. Et joue avec le corps uniquement. Voilà, vas-y, descends. Là, oh, je pense que là, ça doit être bon, là, maintenant. Retour, Luc Luc. Attends deux secondes, je crois que tu es sur le 274.80 maintenant. Vas-y, Luc Luc. Ouais, laisse tomber. Ah, non, ça sent. Ah, c'est le bon. Salut, son frère Ludo. T'entends le Sirius, toi? Ok, et de toute façon, hey, Thierry, pour l'instant tu penses que je déconne, mais il n'y a pas de souci, je chie trois coups. Je le prends à la rigolade, mais tu pourras vérifier dans la vidéo, là, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai une idée. Ah oui, Ludo, on va ouais, ok, les 73, Ludo, vas-y en avant. Je viens d'avoir une idée. Je vais lui demander à Luc Luc qu'il fasse un report sur chacun. Là, que je vous retransmets, retour Luc Luc. Ludovic, en avant, 73. Et moi, ok, 73 à tous. Donc, j'ai bien compris, Luc Luc, toi, Rémi, Thierry. Moi, Lucky Luke, il arrive à. C'est du 59, hein. Voilà, c'est du 59 sur la colline de Fleur avec un enfer, il n'y a pas de souci. Mais quand on l'entend, moi j'entends rien. Mon sauveur, merci! Non, mais je crois que c'est lui, je crois que je copie très bien tout le monde, hein, dans des conditions tout à fait classiques, habituelles, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais Lucky Luke, écoute, je te retourne le micro, à la rigueur, si tu veux faire un de module, c'est pas toi, je vais retourner le micro, parce qu'on va faire tourner pour que tu puisses faire un petit rapport à chacun, donc voilà, moi je module, je te laisse regarder le S-mètre, et puis ensuite je passe le micro à Thierry pour qu'il module à son tour, et puis on va tourner comme ça, pour qu'il nous fasse un petit peu le ressort, voilà. Allez, à toi Thierry. Ok, pas de soucis, voilà, j'ai la confirmation, là. Les amis, il est en train de décoller là, c'est pour ça, parce que moi je l'entends pas du tout là, pourtant, Johnny, il est pas loin de chez moi, hein. Je devrais quand même l'entendre, hein. Bon, mais c'est pas grave, si lui m'entend, c'est très bien, mais moi, je l'entends pas du tout, hein. Voilà, des 73, en anglais, Lucky Luke, 73, voilà, bien, moi, je t'entends pas du tout, désolé. Voilà, je vais repasser le micro, mais Eric, voir si. Parce qu'Eric, c'est pareil, il n'entendait pas aussi. Retourne-toi, Eric. Ok, pas de souci, mais non, tout à fait, Thierry, moi, je confirme, lui qui dit que je ne l'entends pas du tout, mais alors pas du tout, je ne sais pas où il se trouve. Il est à son domicile, c'est pas normal, il y a un problème. Qui est de Brazza? Pas de sauf Lucky Luke, voilà, donc
tu me diras ça, Rémi, je te retourne le micro et il nous dira, tu me diras son GTH. Quai de Brazzard. Voilà, Luc, donc Ludovic, tu le reçois toi à combien? Alors, Ludovic, ouais, bon, t'as entendu, hein, c'est du 59. Eric, c'est du 55. Et toi, Thierry, du 55. J'ai bien mémorisé, c'est bien ça, Ludovic, Luc. Excuse, Thierry, désolé. Oui, vas-y, Luc. Autant pour moi, oui, bon d'accord. Thierry, c'est normal. Il te reçoit déjà à 51. Et donc, et bien voilà, et comme toi tu passes fort en plus, on t'entend partout en principe, et là il t'entend qu'à 51, c'est tout. Donc là, ben, pour le coup, c'est normal que tu n'entendes pas. Et pourquoi ça serait normal que je n'entende pas? Pourquoi? Parce que toi, tu passes partout. Tu passes partout, on t'entend partout. Je vois, moi, là aujourd'hui, j'étais à Mérignac. Même là-bas, je t'entends partout. Donc, forcément, tu passes fort. Et comme lui, le culuc, il est nettement moins fort que toi, là, au niveau du poste. Et sans vouloir te vexer, le culuc, donc forcément, étant moins fort, ben, il est logique que tu n'entendes pas. Il est où, le culuc? Ah, voilà, il se trouve où, là? Quai de Brazzard. Ouais, mais, d'accord, j'ai compris, je trouve Quai de Brazzard à Bordeaux. Mais toi, tu es où, là? Tu viens chez toi? Ah, oui, je confirme, tu entends le Roger Beat du DK, là, même derrière. Eh ben alors, je vois pas la différence. Moi, je trouve pas la différence. Si toi, tu l'entends, oui, merde. Moi, je l'entends pas. C'est bizarre. Non mais c'est le mystère des ondes. Voilà, tout simplement, le mystère des ondes. Il y a un couloir qui est là ce soir, ben, pile dans mon axe. Et puis voilà, ce soir, au niveau des ondes, j'ai la chance avec moi. Et puis voilà, comme tout à l'heure, là, juste avant de commencer le QSO, j'entendais déjà d'autres stations qui lançaient appel pour le QSO national, mais très, très, très lointain, noyé dans les QRM. Donc il y a un peu de propag ce soir. Prenez pas les gens pour des imbéciles, moi aussi je vais te faire pareil, ouais. Je vais parler à quelqu'un là, je vais parler à quelqu'un et tu vas me dire si toi tu l'entends. Je vais le contacter, tu vas me dire si toi tu l'entends. Moi aussi je sais faire, non, on peut. non, j'y crois pas à ça. Ben, pourtant, bon, de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de malaise. Là, en écoutant la vidéo, ben, tu verras que c'est bizarre. Le mystère des ondes, voilà, tout simplement, quoi. Maintenant, il faut demander à quelqu'un d'assez calé en la matière qui puisse répondre à la question, et puis c'est tout, quoi. Des fois, c'est bizarre. Et pourtant, bien réel, puisqu'à chaque fois, je lui réponds, là, à Luc. Et peut-être que lui aussi, maintenant que j'y pense, il est peut-être positionné à un endroit où il est caché par un bâtiment par rapport à toi, et puis moi, ça passe juste sur le côté, sur le bord, ou quelque chose comme ça, et il y a peut-être ça aussi au niveau de son emplacement qui fait que, hein. C'est possible aussi, hein. Je m'en vois, moi. Au contraire, je leur fais. Qui va me le faire à moi, hein?
Ok. J'ai pas du tout le numéro de téléphone de Ludovic. Donc j'ai pas pu le contacter pour monter un plan ou quoi que ce soit. Et pourtant, toi, il lui a répondu là de suite. Je confirme que la tour de contrôle entend très bien Ludovic. Alors, ceux qui l'entendent pas, eh bien, ils se lavent les oreilles et éventuellement ils l'entendront. Je confirme que Rémi a raison. Et 73, Michel, merci de venir sur le QSO. Ben oui, puisque Ludovic, il l'entend très bien avec un signal de 9. Voilà, donc, toi Thierry, je suis pas... Il y a des fois, les ondes, c'est bizarre, des fois. C'est bizarre. Et c'est ça que j'apprécie, justement, moi, de mon côté, là, dans les ondes. C'est que y a une magie qui reste dedans, auquel on n'y comprend que dalle. Habituellement Thierry, c'est toi que oui, c'est toi qui entends des stations que moi j'entends pas. Toi là pour une fois, pour une fois j'ai la chance de mon côté. Oui, retour pouf, ça y est, je me bouffe. Retour Luc. Attends, qui parle avec toi. Kilomètre à la fréquence 8 à PMR, à Rosé-Lourde sur Bordeaux, à la Rosé d'autres et compagnie. Je dis pas que tu fais du cinéma. Ce soir, Rémi reçoit quelqu'un, moi aussi. Toi, et puis, si Eric est là, je suis arrivé comme un petit cochon. Excusez-moi, bonsoir et les amis. Et moi, ça m'est arrivé de t'entendre parler avec quelqu'un et de dire, mais attends, Thierry, il dit gaga, il parle tout seul. Et bien non, toi, tu étais dans le couloir, pas moi. Ok, vu ce qui vient de se passer. Bon, allez, passons. Retour Ludovic. Donc, ouais, Ludovic, tu veux qu'on fasse par la suite là, d'autres essais d'antenne ? Côté pour voir à la fois en émission et en réception,
la différence entre plusieurs antennes. Alors moi j'ai la stéréo Perfin 25000 plus la ML145. J'aurais bien voulu essayer aussi, faire un comparatif avec la Santiago 1200, mais si j'ai bien compris Rémi, elle est occupée, elle sert de remplacement, donc voilà, ce serait peut-être bien d'en trouver une autre. Donc voilà, ce serait bien de pouvoir interchanger comme ça plusieurs antennes avec une base PL, de manière à pouvoir comme ça faire des comparatifs comme ça sur en l'espace de 20 minutes quoi, pour éliminer toutes les variations de propag, enfin du moins en éliminer le maximum, toutes les variations de propagation, des choses comme ça, pour avoir donc un petit comparatif relativement fiable sur une distance quoi, d'une quinzaine de kilomètres. Je pense que c'est pas mal. Ça donnerait un bon un comparatif, parce que bon évidemment 15 km c'est pas du DI, on est d'accord. Mais ça donnerait au moins un comparatif d'antenne pour ceux qui, comme moi, cherchaient à en trouver sur Internet et qui trouvaient pas de comparatif vraiment très 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 fiable. La seule vidéo que j'avais trouvée à l'époque, c'était un DX entre plusieurs départements. Et bon, bah, la propag chutait au fur et à mesure que le mec faisait la vidéo. Donc c'était difficile de se rendre compte si la Santiago était meilleure qu'une autre. Je sais plus, je crois, la Président Texas de mémoire. Donc voilà, ça c'est difficile. Donc voilà ce que je voudrais faire. donc écoute Rémi, quand t'auras un moment, je sais pas dans les prochains week-ends parce qu'avec les fêtes ça va être compliqué, mais on va essayer de se faire ça, voilà. Oui, retour à toi Rémi. Oh oui, ok, ça marche, hein, y a pas de problème. Sauf que là déjà pour cette année, j'ai plus un seul week-end de libre. Donc déjà ça c'est réglé. Ah oui, tiens, pas que puisque t'en parles, le week-end, puisque ça tombe en week-end là de Noël, on fera pas de QSO, hein, de toute façon, chacun sera occupé de son côté. Donc là c'est ça sera plus simple comme ça, quoi. Ça sera pas la peine de venir là exprès là sur le QSO. Ouais, voilà. Vendredi 23, je pense que tout le monde sera dans les préparatifs et trucs comme ça. Samedi 24, bon ben voilà, c'est le réveillon. Donc voilà, autant qu'on voie ça de suite, hein, pas de QSO, au moins comme ça, ça sera plus simple. Hein. Ça sera réservé à la famille et puis c'est tout, quoi. Mais autrement, oui, d'accord, 15 km, enfin une quinzaine de kilomètres, il n'y a pas de problème. Moi, je peux toujours remonter ma Sigma Jura 10. Bon, j'ai un gros matcheur, donc il n'y a pas de problème, je tournerai sur le matcheur et je te prêterai ma Santiago 1200 et on passera dans la foulée les différentes antennes avec report et tout, quoi. Ok, ça marche. Ok, bah ouais, il y aura moyen de faire comme ça. Ça peut le faire, ouais. Bah oui, ça t'évitera de cramer le TX, le matcheur. C'est pas plus mal, hein. Ce serait quand même dommage, hein. Ok, après pour le QSO, bah effectivement, oui, ça risque d'être un petit peu perturbé avec les fêtes. Donc voilà, bon, c'est pas grave, on aura plus de choses à se raconter au retour des fêtes, c'est comme ça. Et puis bon, bah voilà, on pourra parler des différentes indigestions qu'on a pu avoir avec des huîtres ou avec du chocolat, suivant les préférences de chacun. Voilà. Je retourne le micro à Eric, s'il est toujours là. Attends, excuse-moi Eric. Ok, c'est bon. Ouais, je dis le 23-24, pas de QSO. Je regarde, il y a aussi le 30 et 31. Pareil, hein, ça tombe exactement comme ça aussi, ou là aussi, hein, on fera pas de QSO non plus. Hein, donc il nous reste le week-end prochain, c'est-à-dire vendredi 16, samedi 17, et puis après, ça sera début janvier. Hein. Voilà, on va se le faire comme ça sera plus simple. Puis ça n'empêche pas, pour ceux de toute façon qui seront quand même en fréquence, de faire leur QSO de leur côté, quoi. Ok, retour Eric. Eric, il doit être aussi sain, là, je pense. Eric ? Oui, de break. Les amitiés de Jean-Michel de Montier-Lagarde, les amitiés d'Andy et les amitiés de... Ah, je sais plus. Un peu les bonnes amitiés. Toyota.
Mais 73, Jean-Michel. Voilà, en espérant que tu ailles bien. Ça va très bien. Voilà. Ouais, juste une petite information. L'autre soir, quand tu revenais du pont, là, je t'ai entendu jusqu'à la sortie Ivourne, la sortie de la rocade. C'est pratiquement tout le long. Hein. Ok. Bah oui, hein, tu vois, comme quoi, quand on astique une antenne au miroir, hein, ça passe de suite beaucoup mieux, quoi. Hachi. Alors, la Santé Vaudoucin est une très très bonne antenne. Moi, j'en ai essayé une et j'en étais très très content. Ouais, non, je blague. Ouais, non, mais, ouais, c'est vrai que la Sondego 1200 est une bonne antenne, mais je vois celle que vient d'acheter, là, justement, Ludovic, hein, ben, je me demande si elle est pas, si elle serait pas un poil meilleure, même. Car lui, c'est pareil, hein, il passe partout aussi. Ouais. En tout cas, elle est 10 fois plus jolie. Hein. 73 à toi, Jean-Michel, de la part de Dolly, 33, opérateur Ludovic. Ok, oui, les amitiés Ludovic. Ok. Non, apparemment, ouais, ça fonctionne. Et en AM, surtout en AM, c'était ça qui était pas mal. Alors, le pont d'Aquitaine, c'est un signal de 7, hein, radio de 5, impeccable. Et Bruges, signal de 1 et radio de 3. Mais en fait, ça passait bien, hein, ça passait bien. Oh ouais, ok. Ouais, bah tant mieux, hein, au contraire. Hein. Non, mais et puis en plus, c'est vrai que sur la rocade, généralement, c'est dans un trou, c'est pas évident. Hein. Plus toutes les industries qu'il y a autour et tout, ça, là, c'est on est un petit peu coincé dans un couloir. Hein. Ah, il y a eu un break. Ok Jean-Michel, as-tu entendu Florian Luculuc qui est sur les quais de Brazza en mobile? Alors, j'entends parler lointain, mais pas compréhensible. Enfin, j'entends parler, mais c'est tout. Amitié Luculuc, il m'entend, voilà. Oui, tu l'as entendu toi alors? Oui, enregistré Christophe. C'est... Ah ben tiens, le temps de dire ça y est, j'ai 53. Voilà, Jean-Michel, tu lui arrives à 53. Hein. Voilà, il y a Christophe qui vient d'arriver derrière. Toc, toc, toc. Entrez, les bottes sont 13,51 à toi, en espérant que tu ailles bien. Ah, ça va très bien, ça va très bien. Bon, j'espère que le CSO a déjà terminé, qu'il a commencé. Ben bien sûr, de toute façon, c'est le QSO de la bonne humeur par la même occasion. Voilà, tout simplement. Tiens, Christophe, je te chope pas, je te taquine pas non plus. J'ai lancé par curiosité Zello. Zello rien compris, car j'ai l'impression que ça marche plus de mon côté. J'entends même plus, d'habitude j'entends des Américains, des trucs comme ça, des Français j'entends jamais. Mais les Américains, tout ça, je les entends plus, quoi. Ouais, ouais, affirmatif. Voilà, je voulais faire, l'autre jour j'étais au pro, je voulais faire un petit peu d'écoute comme ça dessus, même si c'est pas du tout de la radio, et on dirait qu'il marche plus le bordel. Oh, je sais qu'il y a eu une mise à jour, mais non, ça marche bien. Moi j'ai mon canal là où il y a quelques personnes qui ont le canal. Et on écoute beaucoup de choses, j'ai même des. Il y a même des canaux qui sont dédiés à l'écoute, donc pour l'instant des tas de petites choses. Bah oui, mais c'est bizarre parce que là j'en avais j'avais plusieurs canaux là d'enregistrer. J'entends plus rien. C'est devenu complètement silencieux, quoi. Oh, je me suis dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, j'ai ce qu'il faut dans la voiture, il n'y a pas de problème. Bah si tu veux, on fera un essai pour voir le tir qui n'est pas ici. On va le régler, quoi. Ben justement, j'ai rien touché. Hein. J'ai juste lancé comme ça pour voir et si bon, ben c'est pas grave. Ben retour du micro sur Thierry.
Ok, retour de micro sur Ludovic. Ok, 73 à toi Christophe de Dolly 33. Je crois qu'il y a eu un autre break, hein. C'était une autre station qui disait toc toc toc. T'as dit entrer en pensant que c'était Christophe, mais je pense que c'était quelqu'un d'autre parce que le signal était beaucoup plus fort. Voilà. J'ai pas identifié qui c'était, donc bah voilà, et bon, 73-51 à toi de Dolly 33, la station, et puis bah toc toc toc, vas-y à 3, tu peux rentrer à toi. Merci Ludo. Bonsoir messieurs, c'est Fredo. Ok, 73 Fredo, j'avais pas reconnu, bah parfait, j'espère que ça va bien depuis hier. Voilà. Alors on a une curiosité ce soir, on a vu qu'il y a eu sur les quais de Brazza, il passe 59 chez moi, Eric le copie pas du tout, Thierry le copie pas du tout, et par contre Dundee le copie. Donc on a une curiosité là, c'est assez rigolote, il est avec une antenne filaire dans sa voiture apparemment. Donc voilà, on pourra faire un essai, voir si tu le copies. Je te fais retour à toi Fredo, et puis après on pourra retourner sur l'UQI, voir si tu arrives à le copier. Ok, je suis sur un retour micro sur ce fameux curieux l'UQI. Je n'ai pas trop parlé ce soir parce que là j'ai mon poste qui déconne. Je ne sais pas ce qui nous fait là, j'ai la SC qui monte à fond, j'ai du TOS, je crois que j'ai l'antenne qui est privée en fait. Voilà. Et fais un petit retour sur l'équilibre, je crois que je vais saluer tout le monde, je sais pas, je le referai au prochain passage, la mémoire me reviendra. Oui, les amitiés, attention, il n'y a pas de souci, les amitiés de l'équipe, je viens de Brangeur, alors je précise quand même, parce que vous êtes en train d'étudier la question, alors je suis effectivement avec une filière carbone, qui est placée à 10 mètres du sol sur un mois, qui passe tout dans la voiture. Je suis dans une pièce normale, chauffée, d'eau, pas de facture. Je précise que derrière moi, c'est la Garonne, devant moi, c'est ce nom. Que ma filière, elle est placée côté, le plus de la filière, la lame de la filière est placée en direction du pont de l'Ancienne. Et que la masse, elle est placée côté Bordeaux. Je suis entouré de trois bâtiments. Si, il parle. Oui. Donc c'est bien ça, il est coincé entre les bâtiments.